Hey, salut à tous, c'est Nocturnax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo que vous attendez tous depuis le 2 décembre. Mais pour des raisons personnelles, j'ai dû reporter un tout petit peu ce projet qui devait être diffusé le 2 décembre. Et à la place, il est diffusé aujourd'hui, ce 4 décembre. Mais du coup, c'est pas grave, parce que bah, au lieu d'en avoir deux, vous en aurez quatre aujourd'hui. Et par contre, la suite, comme toujours, vous aurez bah, les deux par deux, quoi, hein, comme toujours. Comme ce qui était promis. Donc du coup, on va commencer par ouvrir ce joli petit, enfin petit gros livre de la Degustabox. J'essaye de le cadrer au maximum. Bon, il n'y a pas tout, hein. Mais il y a la caisse qui nous intéresse, elle est là-haut. C'est le numéro 1. Du coup, on va ouvrir ensemble la case numéro 1, puis la 3, puis la 4. Alors, en numéro 1, nous avons... Oh, c'est lourd déjà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est du miel. Oh, que c'est trop bien ça. Alors on a miel et gelée royale, la force au naturel. On va consommer entre 01, 09, 2021. C'est faux. C'est faux. Le miel ne périme pas. Environ 25 grammes de miel et gelée. Ah oui, non, parce qu'il y a de la gelée. C'est pas du miel pur, c'est une gelée de miel, donc c'est différent. Donc non, je retire ce que c'est dit, c'est vrai. Mais à savoir que le miel pur ne périme pas. Donc si vous avez une date de péremption sur du miel, c'est faux, ça périme pas. Du coup, le numéro 2, il est là-bas au bout. Du coup, je vais vous déplacer avec moi. Parce que le 2, il est là-haut. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Alors, on a... recadrer un peu, voilà. Pain d'épices aux figues spéciales, foie gras. Ouais. À consommer jusqu'au 4 2020. Assez court, mais ça va être suffisant pour le manger. Le numéro 4, il est là. Il est là, le numéro 4. Je vais vous déplacer aussi encore, hein. Voilà. Non, qu'est-ce que je dis? Il manque le 3 avant. Le 3, il est là. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Hop là. Ouais, c'est pour vous rendre compte à quel point c'est grand, parce que je suis obligé de recadrer à chaque fois. C'est... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Imilims. C'est sympa. Merci. En métal, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est en métal. Ouais. Ah ouais, des jolis petits Minims. Ça, ouais, c'est bon. Ouais. Et du coup, le numéro 4 qui est là. Hop, je vous décale. Ah! Hop, on revient. Oh, c'est du cidre ça. C'est marqué brut là, c'est du cidre. Blanc. Blanc de blanc, même pas, c'est même pas du cidre, c'est du vin mousseux. Marqué dessus. Petite bouteille. Alors je rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein? Et les femmes enceintes, interdiction, sinon on vous tape direct. C'est français, hein, c'est République française, y a tout est bon. Oui, bon, en plus c'est marqué là, regardez. Femme enceinte interdit, et ça doit être marqué l'abus d'alcool, machin, il n'est pas marqué. Il n'est pas marqué. Bon, de toute façon, on le sait, hein, ça passe tout le temps à la télé.
Voilà, du coup on se retrouve dans 2 jours pour la suite, c'est-à-dire le numéro 5 qui est tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Vous voyez, il est là-haut le 5. Et le numéro 6 qui est pareil, tout là-haut. Attendez, petit problème technique, voilà, le 6 tout là-haut. Voilà. Donc, à dans 2 jours!